Alors, j'ai avec moi M. Yvon Blanchet, président de la Société nationale des Québécoises et Québécois du Québec. Alors, vous avez parlé tantôt dans votre allocution un peu de vos souvenirs de jeunesse et vous avez fait allusion à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Voulez-vous nous démystifier un petit peu le mouvement national, la Société nationale et où est rendue la Société de Saint-Jean-Baptiste? Ouais, voici, c'est pas compliqué. C'est toute la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est la même chose. Sauf que à un moment donné, en 1950-60, ils ont voulu. Il y a 18 sociétés Saint-Jean-Baptiste qui existaient à travers la province de Québec, qui reliaient des sociétés Saint-Jean-Baptiste dans chaque paroisse. Donc, ils ont fait un groupement, il y en a 18. Mais sur les 18, il y en a 16 qui ont changé leur nom pour Société nationale à place de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et vous avez un exemple concret. Ceux qui ont gardé leur nom, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ça fait partie du même groupe, mais eux autres ont gardé ça. Société Saint-Jean-Baptiste de Richelieu aussi. Les autres se sont regroupés et ça est devenu le mouvement national des Québécois. À place d'être une fédération de la Société des Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu mouvement national des Québécois et des Québécoises du Québec. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais le grand changement qui s'est produit, c'est qu'autrefois, chaque Société Saint-Jean-Baptiste, qui est devenue certaine, qui sont devenues des sociétés nationales, ça regroupait des 10-12 sociétés, 10-12 paroisses. Maintenant, tout ça, c'est des membres. Donc, dans une région donnée, comme la Naudière, nous, on a 850 membres qui se répartissent à travers toute la région de la Naudière, de Saint-Michel-des-Saints à Terrebonne, Mascouche, Berthierville, Saint-Barthélemy. Donc, c'est ça qui est devenu. Mais ça n'a pas changé le style de ce que c'était. Les gens sont aussi... Beaucoup de gens, surtout dans la Naudière, c'est des nationalistes plutôt que des indépendantistes. Donc, parce que c'est tous des vieux. Hein? Les jeunes ne s'impliquent pas encore. Ah, il va falloir s'arranger pour assurer une relève bientôt. Oui, il est temps. Si on peut les sortir de la maison, on va pouvoir peut-être les rencontrer. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Blanchet. Merci.